برانديفو اليوم عندنا موعد مع الفن وتحديدا فن الرسم. رح نحكي عن المعرض للفنان مارتشيلو كاروتزيني بجاليري روشان بصيفي فيليج من 9 ل 23 تشرين الاول. اهلا وسهلا فيك. بونجور مارتشيلو. Bonjour, bonjour. Marcello, vous êtes un artiste, peintre. Vous habitez au Liban depuis 15 ans. Pourtant, vous êtes italien. Je suis italien. Et... pourquoi vous êtes au Liban? Ça fait 15 ans. Ça vous étonne. Ça m'étonne, oui. Parce que, comme je le dis dans mon exposition, qui s'appelle Exodus, chacun dans la vie cherche un endroit idéal. Oui. Et en voyageant au Liban, je croyais d'avoir trouvé cet endroit. Donc je me suis installé depuis longtemps. Je continue à aimer le pays. Et vous faites de la peinture tout le temps? Je fais de la peinture. Avec des expositions vraiment oui, bien sûr. Continues, on peut dire. Oui, oui. D'accord. Et votre prochaine exposition, c'est... ça a déjà commencé. Oui, mon actuelle exposition, c'est l'exposition en cours à la Galerie Rochin. Et le thème de l'exposition, c'est Exodus. Ok. Donc Exodus, c'est ça vient de votre désir de sortir, de s'enfuir. Exodus, c'est ça? Dans le sens littéraire du terme, c'est un déplacement massif de population, de ce qu'on voit tous les jours. Donc c'est un thème qui me tient à cœur. Mais en même temps, c'est un thème très ancien, parce que l'histoire de l'humanité est faite de ça, de déplacements, de mélanges, de cultures, de mélanges ethniques. C'est ce qui fait la beauté de notre monde. Donc Exodus aussi, dans un sens plus ample du terme, c'est aussi la recherche idéale et perpétuel de l'homme à la quête d'un endroit, d'un habitat meilleur, d'une situation qui parfois est seulement une situation idéale dans la tête. Et ce n'est pas forcément un déplacement réel. Oui, donc ça peut être un déplacement dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, dans la fantaisie. Et... mais est-ce que c'est inspiré de tout ce qui se passe actuellement dans le monde? Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qui m'a inspiré concrètement. Mais j'ai voulu donner à ce thème une connotation plus ample, comme je viens de dire. Donc un retour Exodus, au passé. C'est aussi le voyage imaginaire. Les Libanais sont assez, je pense, concernés par cette thématique. Si vous considérez qu'on a 4,5 millions de Libanais au Liban et 15 millions en dehors du Liban. Donc c'est un peuple qui s'est aussi toujours déplacé à la, recherche d'un habitat différent. Et c'était aussi un peuple qui a toujours accueilli d'autres populations. Donc le Liban, quand j'y habitais pas, c'était pour moi un rêve de visiter ce pays qu'on disait le carrefour de culture. Et ça reste, et malgré tout, aussi. Toujours ça. D'accord. لكن مارتشيلو كاروتزيني هو فنان إيطالي ولكن بيسكن بلبنان من حوالي 15 سنة فقط محبة بلبنان، محبة بالثقافات الموجودة بلبنان ومحبة بالشعب أيضا بلبنان. عم بحضر لمعرضه اللي عم بيكون حاليا بصيفي فيليج بجاليري روشان. وعنوان المعرض إكزوديوس اللي بيعني الخروج. وبالنسبة لمارتشيلو الخروج هو مش بس خروج إلى مكان ما، إنما ممكن يكون هروب إلى أو هروب بالخيال لأي شخص هيك حابب يبعد شوي عن واقعه. وطبعا بيقول مارتشيلو إنه هالشي مستوحى من الأشياء اللي عم بتصير حاليا بعالمنا، ولكن أيضا بيرجع فيها لبعيد للماضي لتنقل الإنسان من بلد لبلد. ما هيك مارتشيلو؟ بتفهم شوي عربي مي با بوكو. أكيد. لو تيم دو ليكسبوزيسيون مارتشيلو. Comment ça a été choisi? On a parlé un peu de Exodus, mais comment ça a été élaboré? Ben, je travaille toujours sur un thème. Le thème vient comme ça, vient dans la vie. C'est un thème qui
qui vient de l'actualité. Mm-hmm. Mes thématiques sont souvent plus intimistes, souvent sociales. Cette fois-ci, c'est social et intimiste en même temps. Social dans le sens que la thématique est de grande actualité, mais en même temps, je voulais donner un sens aussi intérieur et intimiste à cette thématique, en disant que l'exode... Personnel, un peu, peut-être. Oui, c'est cette recherche spirituelle ou poétique, mm-hmm. C'est un envol... Est-ce qu'il y a un lien avec les expositions précédentes que vous avez présentées? Oui, l'exposition précédente, la thématique, c'est le titre de l'exposition, c'était volare. En italien, volare, c'est voler, dans le sens de l'envol, pas dans le sens de voler. Oui, pas voler des objets, mais voler dans Exactement. L'air. Exactement. Donc, ça représentait des vols d'oiseaux. Et c'était aussi un thème de migration, de recherche d'un endroit au rythme de saison. Donc, il y a toujours un lien entre une exposition et une autre. Parce qu'un peintre, il raconte soi-même, en fin de compte, dans tout ce qu'il fait Bien pendant sûr. La vie. Il s'exprime. C'est voilà. toi-même que tu racontes. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il y a aussi un lien entre la technique adoptée avant et le courant que vous travaillez? Oui, la technique, ce qui me caractérise, et c'est toujours la couleur. Je suis un peintre coloriste. Donc, pour moi, la couleur, c'est une chose très importante. Aussi, pour les gens qui regardent les tableaux, c'est la chose qui frappe en premier. Les gens, devant un tableau, ils sont attirés premièrement par la couleur. Mm-hmm. Donc, Quelle c'est couleur la couleur qui nous maintenant? Interpelle. Moi, j'utilise de couleurs variées, mais mes gammes sont toujours très recherchées. Je n'utilise jamais une couleur qui sort du Mais il y a le pastel, le rose aussi, surtout, qu'on vient de voir. Il y a des couleurs qui sont assez tamisées. C'est un choix de traiter une thématique comme ça d'une façon assez poétique, mm-hmm, parce que mm-hmm. ça pourrait être même très violent, très cru, mais je ne pense pas que les gens ont envie de prendre des claques. Merci beaucoup, Marcello Cardini. Tous ceux qui aiment voir, ils peuvent passer dans la galerie Rochane, voir du 9 au 23 octobre votre nouvelle exposition Exodus. Lakin Benesbela Marcello Fiale a طبعاً بين كل المعارض اللي عم فيها والمعرض اللي عم بيقوم فيه اليوم وهو دايماً بيحكي عن الهروب أو الذهاب للبحث عن مكان خيالي أو مكان مثالي بالنسبة لكل شخص ممكن يكون هروب اجتماعي أو هروب شخصي بيشتغل كتير على ألوانه لحتى تكون ألوان شوي إذا فينا نقول رومانسية شوي مخباية هيك مبطنة بطريقة أو بأخرى نحن رح ناخد بريك قصير مشاهدين ومن بعدها منكون بتيستينج